Los Angeles. The LA market is shifting, and it's not falling. It's stabilizing. And that's a good thing, because everybody knows, like, I like money. What's up, guys? Bienvenue sur mon YouTube channel, Le Mike Immobilier. Ici, je réponds à toutes vos questions en termes d'immobilier. Donc, si c'est le domaine qui intéresse, n'hésite surtout pas. Abonne-toi et instruis-toi. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de célébrités. Oui, 5 célébrités qui sont aussi investisseurs immobiliers. Il y en a même une d'entre elles qui était millionnaire avant même de faire 1$ à Hollywood. Mais celle-là, je voulais garder pour la fin, right? Donc, sans plus tarder, on va jumper sur le top 5. Yes, Kevin Hart, l'une des plus grandes célébrités en ce moment. Tout le monde le connaît à cause de ses shows de comédie, à cause de ses nombreux films, d'ailleurs plusieurs avec The Rock. Mais récemment, Kevin Hart a affirmé que 50% de ses revenus étaient destinés à ses investissements immobiliers. Effectivement, il a même dit que le jeu de Monopoly, it's a real game. Je vous montre l'extrait. I'm never gonna touch that money, cause it's not mine, it's government. So now over my half, what do I wanna do? I'm gonna take another half. This half is going over here. This half is for my next real estate investment. I don't know what it is. I haven't figured it out yet, but I'm putting it over here. So when I do figure it out, I gotta get a buy. So now I'm only living off a quarter of my financial gain. Et voilà, comme je vous ai dit, c'est des facts. D'ailleurs, si on fait un petit calcul, Kevin Hart, en juillet 2018, jusqu'en juillet 2019, a fait 59 millions de dollars, right? Donc, on sait très bien que 50% s'en va directement au gouvernement. Et sur le reste, on parle de 30 millions de dollars environ. 15 millions de dollars s'en va directement pour ses investissements immobiliers. Donnez-moi 15 millions de dollars, vous allez voir quel type d'investissement je vais être capable de faire. Anyways, passons au deuxième. Et oui, le power couple de Dwayne Wade et Gabrielle Union. Pas besoin de vous faire une grosse biographie. Tout le monde connaît Dwayne Wade en tant que champion de la NBA, l'un des meilleurs de tous les temps. Et on parle aussi de sa femme, Gabrielle Union, qui est l'une des plus grandes actrices. Mais dites-vous qu'eux aussi ont décidé de faire de l'investissement immobilier. Ils avaient même d'ailleurs un show sur HGTV qui s'appelait All Star Flip. Eux, ils ont décidé de flipper des maisons et avec les profits, de l'injecter dans leur charité. Donc, c'est vraiment un bon move. Mais ce qui est encore plus stratégique là-dedans, c'est qu'ils savent qu'avec l'immobilier, on peut faire de très bons revenus. En numéro 4, Floyd Mayweather, monsieur 50-0, l'un des plus grands boxeurs de tous les temps. Et je vous dirais que lui, ça a été quand même étonnant parce qu'il y en a plusieurs qui pensait qu'il allait perdre tout son argent. Est-ce que vous savez que c'est l'un des rares athlètes qui a fait dans sa carrière plus d'un milliard de dollars? Moi, j'ai un de mes amis d'ailleurs, il va se reconnaître, que c'était le premier à dire que selon lui, Floyd Mayweather allait perdre tout son argent. Mais j'ai une nouvelle pour vous. Il est investisseur immobilier. D'ailleurs, il possède plus de 9 gratte-ciels et il est en train d'en construire un 10e. Monsieur le Terminator, yes, c'est lui notre fameux millionnaire avant de faire de l'argent avec Hollywood. By the way, guys, si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à donner un petit j'aime sur la vidéo. Ça va faire en sorte que la chaîne va pouvoir se faire découvrir et on pourra sortir beaucoup plus de contenu comme ça. Donc, on reprend le programme. Monsieur Schwarzenegger, oui, effectivement, était millionnaire avant même de rentrer à Hollywood. D'ailleurs, il disait même qu'il allait parfois à des classes de acting et qu'il voyait que les acteurs là-bas prenaient n'importe quel rôle et lui ne voulait pas être dans cette situation-là. Donc, l'argent qu'il faisait avec les concours de bodybuilding, il a décidé de l'investir dans les propriétés. Et on voit bien que ça lui a bien fonctionné. Donc, guys, c'était le top 5 des célébrités qui étaient investisseurs immobiliers. J'espère que vous avez apprécié et comme d'habitude, si vous avez aimé, likez, partagez avec vos amis fans d'immobilier et on se revoit à la prochaine vidéo.